Bonsoir à toutes et à tous, c'est avec grand plaisir qu'on vous retrouve pour ce nouveau rendez-vous. L'avant-match s'est parfaitement déroulé et les spectateurs prennent place ce soir sous un ciel dégagé. Des conditions météo parfaites pour cette rencontre. La tension, en revanche, est clairement montée d'un cran tout à l'heure. À l'annonce des compositions d'équipe, le speaker a beaucoup de talent pour ça, il sait mettre l'ambiance. Et puis on connaît l'importance du public dans ces rencontres. Et le Camp Nou qui brille aux couleurs des Blaugrana, quel bonheur pour les yeux. Et coup d'envoi de ce match. C'est joué dans la profondeur. Coutinho. Le gros dégagement. Coup franc. Rakitic. Peut-être l'occasion pour Griezmann. Kimmich qui a un peu d'espace. Il allonge vers l'avant. C'était intéressant cette action. Dommage qu'il n'ait pas pu aller au bout. Messi. Et le ballon qui est remis dans l'axe. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Il tente de la jouer dans l'espace. Il est tout seul. Il y a peut-être un coup à jouer. Süle. Il choisit la profondeur. Et non, hors-jeu. Il est là pour dégager. Messi. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Bien présente. C'est bien fait ça. Ça ne passe pas. Et le ballon a franchi la ligne. Il dégage. Un peu d'oxygène pour sa défense. De repartir de derrière. C'est quand même extraordinaire la manière de faire tourner le ballon, le conserver et faire courir l'adversaire. C'est sûr qu'il préfère avoir la possession que de laisser le ballon à l'adversaire, Darren. Oui, mais tous les joueurs y contribuent en se rendant disponibles. C'est un sacré boulot quand même. Et la bonne intervention. Bon dégagement. Thiago qui veut se projeter. Le danger est repoussé. Il se fait pardonner. Il frappe au but. Ah, dommage, ça ne passe pas loin. C'est un spécialiste des frappes lointaines celui-là. Et ils le savent. Alors s'il lui laisse de l'espace, bien sûr qu'il va tirer. Süle qui cherche la profondeur. Pavard. Kimmich. Thiago. Oh, le contre, l'arme fatale. Oh, Luis Suarez. Oui, c'est bien défendu, c'était dangereux. Waouh, une intervention magnifique. En plus, il était pas mal sous pression. Il prend sa chance.
Le but. Oh, le but pour le Bayern Munich. Yes, goal. Ouverture du score pour le Bayern Munich. Il leur a suffi de quelques secondes pour mener ce contre à son terme. On est reparti. Ils ont le match en main, mais attention à bien rester concentré. Vidal. Messi. Bien, la profondeur. C'est joué long, attention. Il file vers le but. Attention, la frappe. C'est de retour à cette rencontre. Superbe combinaison. Ces deux joueurs se trouvent les yeux fermés. Et ça repart du rond central. Égalité parfaite. Alors là, chapeau, hein. Voilà une superbe réaction. Ils ont su rebondir immédiatement après ce but encaissé. Ça ne passera pas. Dans la profondeur. Va-t-il en profiter? Dans la profondeur. Oh, le bon ballon! Oh, c'est chaud! Le ballon sort du terrain. Le bon dribble. Messi qui récupère ce ballon. Il a sans doute un peu trop temporisé. C'est dommage. Il avait des coéquipiers qui demandaient le ballon. Il allonge le jeu. Le bon ballon. Jordi Alba. Le ballon dans la profondeur. Bonne intervention, ça pouvait créer le danger. Ça joue long, la longue passe. Coup franc pour Barcelone. Il s'échappe. Rien à dire, c'était propre. Ouf, un peu d'air. Il s'est attaqué, ça on savait, mais il sait aussi défendre. C'est vraiment un joueur complet. Il est capable de tout, on dirait. Goretzka s'est joué dans l'espace. Et c'est directement récupéré. La passe est précise. Lewandowski. Et le gardien est présent. Ah, ça c'est magnifique. Chapeau. Coutinho. La passe dans la profondeur. La frappe. Le but. Oh, le but pour le Bayern Munich. Et il passe devant. C'est une très très mauvaise passe, mais c'est inadmissible ça. Oh, le petit ballon piqué. C'est bien donné. C'est joué long. Il peut frapper. Quel retour. C'est un match de folie. Et il le mérite. Il en faut du caractère pour revenir encore une fois au score.
La défense l'a un peu oublié, manque de concentration. Le tir a été bon, mais saluons la passe. On sent que ça a été bossé à l'entraînement, ça. Revoilà les deux équipes à égalité. Eh bien, on savait que ce match serait serré, et ça se confirme. Alaba qui centre. C'est dégagé loin. Ça passera sur le côté. Il cherche la profondeur. Il met le ballon dans la surface. Il prend sa chance. Le but. Oh, le but pour le Bayern Munich. Et ils reprennent l'avantage. Oh, il était bien placé ce ballon. Tout simplement imparable. Sur ce genre de frappe, il n'y a qu'une chose à faire. Applaudir. Bravo. Et les voilà donc en tête. Lewandowski. Oh, la belle intervention de l'anglais. Rakitic. Dans la profondeur. Il est passé. Il a pris tout le monde de vitesse. Ce sera le premier corner du match. Quelle détente! L'égalisation du FC Barcelone. Il était surveillé de près, mais ça ne l'a pas empêché de marquer. Quelle puissance chez ce joueur. Pourtant, la défense a fait tout ce qu'elle a pu. Il est inarrêtable. Quel match. En tout cas, il ne lâche rien. Les occasions sont rares dans ces matchs, mais il a réussi à profiter de celle-là. Dans la profondeur, bien vu. Le bon dribble. Il y a danger. Ce qui est intercepté. Un nouveau but sur corner. Aucun coéquipier pour reprendre le centre. Thiago. C'est joué long. La bonne passe. Allez, la tête. Il était tout seul. Ah, quel dommage. Il était pourtant en position idéale. Pas le temps de se lamenter, c'est déjà récupéré. Perisic. C'est la mi-temps dans ce match intéressant. Espérons que la seconde période sera tout aussi belle. Le FC Barcelone, il va pouvoir regagner le vestiaire et souffler après cette période riche en buts et surtout en frissons.
Le Bayern Munich qui donne le coup d'envoi de la deuxième période. Oh, pourquoi pas, très fort, très loin, ça soulage. Il a un peu de liberté. Il cherche la profondeur. Jordi Alba. Bien joué, ses passes en profondeur sont toujours dangereuses. Nelson Semedo à l'opposé. Ça n'a pas pu aller plus loin. Un long ballon vers l'avant. C'est joué long. Thiago. Pavard. L'interception, bien joué. Il passe en retrait. Dans la profondeur. La passe dans l'axe. Bien servi. Oh, ils l'ont échappé belle. Oui, surtout qu'ils étaient en infériorité numérique. S'il avait manqué son geste, ça aurait pu leur coûter cher. Ça joue bon. Coup de sifflet, hors jeu. Perisic qui est récompensé de son pressing. Oh, voici Thiago. Il cherchait la profondeur, mais en face, défensivement, ça répond présent. Oui, il faut dire que ça manquait de précision aussi. Dans l'espace. Le bon dégagement. Griezmann qui a déjà pris le pas sur la défense. Le Bayern Munich laisse clairement entrevoir ses intentions en laissant des joueurs devant. Pour jouer le contre? Oui, sans aucun doute. À la première occasion, ils vont les servir aussi vite que possible. Il est à distance de tir. C'est une faute, l'arbitre intervient. Jordi Alba. D'une aile jusqu'à l'autre. Messi qui attend peut-être des appels. Arthur. Il écarte, ça joue long. L'interception, c'était chaud. Et la tête. Oh, la tête. Pas de réussite. Il décide d'allonger le jeu. Long ballon dans le sens du jeu. Rakitic qui a donc offert un but à son coéquipier. Oh, Luis Suarez. Oh, Rakitic. C'est récupéré. Peut-être l'occasion pour Griezmann. Lewandowski. Ça, c'est une interception parfaite. Il joue en profondeur. Nelson Semedo. Oh, voici Philippe Coutinho.
piège le jeu. Il ne se pose pas de questions. Et oui, il faut plus fort. Le FC Barcelone qui récupère ce ballon. Perisic. Oh, Lewandowski. Messi. Bien, la profondeur. Personne n'arrive à se saisir du ballon. Messi. Bien repoussé par le gardien. Oh oui, superbe. Oh, j'en connais un qui attendait ce ballon. Quelle frustration quand même. Griezmann. Oh, la belle intervention de l'anglais. Le gardien dégage, loin. Bonne interception, il y avait danger. C'est joué dans l'espace. Le ballon dans la profondeur. Il reçoit le ballon. Les deux équipes doivent faire attention au contre maintenant. Il faut garder ce ballon, faire tourner, être patient et saisir sa chance. Et il jaillit pour prendre ce ballon. Ah non, dommage. Les actions coûtent cher à ce moment-là du match. Ça joue long vers l'avant. Arthur, dans la profondeur. Dans le dos. Il y a du jeu, il y a du dynamisme. Malheureusement, ça reste stérile. Le ballon dans la profondeur. Attention là. Oh, la frappe. C'était une bonne occasion, dommage. Le Bayern Munich qui procède à un changement dans cette rencontre. Son entraîneur a senti qu'il n'avait plus de jus. Alors il valait mieux le sortir maintenant plutôt que de risquer la blessure. Il est bien placé. Oh, l'inspiration! Ah, oh, c'était l'occasion de faire la différence. Quel dommage. La longue passe. La bonne passe. Il peut y aller. C'est une bonne intervention. Ah, il n'arrive malheureusement pas à la mettre au fond. Il se rattrape bien. Il allonge.
Allez, ça peut faire mal. Il y a peut-être un coup à jouer. La passe est précise. Dans la surface. Bien servi. Voilà un corner et la pression qui augmente. Ça défend comme ça peut. C'est une remise en jeu. Il ne résiste pas au contact. Thiago. Ça doit être rageant pour eux. Ils auraient pu faire la différence sur cette action. Ce ballon bien dosé. Ah, oh, mais quel dommage, quel gâchis, mais il n'arrive pas. Quelle fait du bien cette interception. On vit là les derniers instants de cette rencontre. Quel timing dans l'interception. Et c'est dégagé. C'est étonnant. On a l'impression qu'il se contente du minimum. Faut se projeter vers l'avant dès maintenant et rapidement. Et corner donc. Sans doute le corner de la dernière chance. Ça va monter. Peut-être la dernière occasion du match. Attention à ne pas prendre de but sur ce corner. Et l'arbitre le raccorde ce nouveau corner. Et c'est sans doute l'une des dernières actions du match. Il va falloir être solide. Et voilà la belle occasion de changer le scénario de ce match. La tête ! Elle était belle cette tête, mais ça ne suffit pas. C'est fini, le match est terminé. Au match nul, d'accord, mais on a vraiment envie de dire merci à ces deux équipes. C'était un véritable festival de jeux offensifs aujourd'hui. Quel régal, vraiment. Alors, que retenir de cette rencontre? Le constat est clair, les deux équipes se sont neutralisées. Mais en ce qui me concerne, je ne me suis pas ennuyé. C'en est terminé, Darren, pour cette belle soirée de football. Merci de l'avoir vécu à nos côtés. Bonsoir. Merci, Grégoire. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures.
Bonsoir à tous, merci d'avoir choisi notre soirée de football plutôt qu'une série ou un film. On va tout faire pour essayer de vous donner raison. Les conditions de jeu sont bonnes, le ciel est dégagé, la lumière est belle, les tribunes sont pleines, la pelouse est dans un état presque parfait. Espérons maintenant que les joueurs pourront être à la hauteur de leur réputation et pourront exprimer tout leur talent, car vu les noms alignés sur la feuille de match, on va se régaler. Voilà un stade magnifique, plein comme un œuf.
Bonsoir à tous, on est ravis de vous retrouver pour cette rencontre qui s'annonce au mieux. Pourquoi ? Parce que le ciel est dégagé, parce que la pelouse a été pichonnée, parce que l'échauffement s'est parfaitement passé. On a même vu des attaquants réussir des frappes incroyables en pleine lucarne pendant cet ultime entraînement. Je peux vous dire que s'ils les reproduisent en match, on va se régaler. Bref, l'ambiance est magnifique et on espère forcément entendre ce stade vibrer au rythme des très nombreuses occasions. Le Monumental est en fusion, à peu près comme à chaque match, vous me direz. On est parti pour 90 minutes. Alors Darren, il concède un coup franc. Il la dévie. Et le gardien qui s'en sort d'un rien. Isco qui cherche à construire. Il joue en profondeur. C'est bien intercepté. Ce long ballon ne donnera rien. À nouveau en dehors des limites du terrain. Nouvelle touche. Le bon dribble. Bonne intervention qui stoppe net ce one-man show. Jean Moutinho. Il allonge le jeu. Il est passé. C'est joué dans l'espace. Bien, un coup de répit. C'était intéressant cette action. Dommage qu'il n'ait pas pu aller au bout. C'est joué dans la profondeur. Mario Rui, dans la profondeur, et le ballon est sorti, touche. La passe en profondeur, l'intervention de José Fonte, c'est joué long, attention. Oh, c'est un but contre son camp. Là, mais c'est vraiment le but gagne par excellence. Il va avoir du mal à s'en remettre.
quel incroyable cafouillage sur ce but. Ah, vous savez, ce genre de match se joue souvent sur des détails. Eh ben, en voilà un gros. Sarabia, il a vu son coéquipier. C'est Joelho. Bien joué, ils vont pouvoir repartir. Faute, oui, faute et coup franc à venir. Pas le temps de se lamenter, c'est déjà récupéré. Un ballon intéressant, donné à la perfection. Il tente sa chance. Cristiano Ronaldo, au nouvel essai. Ils ont commencé sur les chapeaux de roue, mais il faut songer à convertir de telles... Attention là, il y a peut-être un coup à jouer. Attention à la frappe. Ça peut être extrêmement dangereux. Thiago, la longue passe. La frappe. Et le cadre se dérobe largement. Ça va sûrement faire réfléchir à la défense. Presser plus haut ou laisser des adversaires tirer de loin. C'est quand même extraordinaire la manière de faire tourner le ballon, le conserver et faire courir l'adversaire. C'est sûr qu'il préfère avoir la possession que de laisser le ballon à l'adversaire, Darren. Oui, mais tous les joueurs y contribuent en se rendant disponibles. C'est un sacré boulot quand même. En la profondeur, bien vu. Dommage qu'il n'ait pas levé la tête. Il aurait sans doute pu trouver un coéquipier démarqué. Bonne intervention, ça pouvait créer le danger. Dans la profondeur, dans l'espace, bien vu. Il tire. Il peut récupérer, deuxième chance. Yes, goal. Oh, maintenant, ça va être difficile de les reprendre. Le gardien était bien présent sur la première tentative, mais il n'a rien pu faire sur la deuxième. Ok, l'attaquant est très opportuniste, oui, mais quelle mésentente de la défense, c'est le bazar. C'est reparti sur ce score de 2-0. Ils sont dans un gros temps fort. Attention, ça pourrait faire très très mal. Isco. Morata. Et c'est récupéré encore une fois. Thiago. Ils ont beau être menés au score, on sait qu'ils ont le potentiel pour revenir dans ce match. Le bon dribble. Oh, le coup de tête! Il manquait pas grand-chose, là! Ah là là, pas de bol. C'est dommage, mais il faut vraiment cadrer à tout prix ce genre de frappe. Mais il était bien présent. Un long ballon vers l'avant. C'est trop long, pas assez précis. C'est une remise en jeu. Et le raid côté droit, il a du soutien. Dans la profondeur. Mario Rui. Il a de l'espace là. Il allonge. Oh, la frappe ! Oh, c'est un arrêt important ça ! Il pensait avoir fait le plus dur, mais le gardien était bien présent. Bruno Fernandes. Il va s'en charger, il est fort pour frapper les corners. Passe interceptée. Ouf, un peu d'air. Il choisit la profondeur. C'est bien dosé. C'est bien fait ça. C'est le moment de centrer. Il remporte son duel. Ça ne passera pas. La passe dans la profondeur. Bien joué, ça.
Bien, la profondeur. Bien tenté cette passe dans le dos de la défense, mais c'est intercepté. Quand on joue dans l'axe, il faut être plus précis que ça dans les passes. Le ballon dans la profondeur. Il tente de la jouer dans l'espace. Voici Pablo Sarabia. Bon, voici Morata. Ça défend comme ça peut. Il a de l'espace. Quelle fait du bien cette interception. Ça joue long. C'est reparti, ils peuvent contrer. Oh, c'est chaud. Il est passé. Ça sent la frappe. Oh, quel geste. Peut-être une occasion pour Cristiano Ronaldo. Va-t-il en profiter? Oui, il peut frapper là. Il compte désormais 3 buts d'avance. Les adversaires sont KO debout là. Il est toujours bien placé, la preuve. Il se retrouve au bon endroit, au bon moment. Ça a été un petit peu de réussite, mais c'est parfaitement joué de sa part. C'est reparti, le score est maintenant de 3-0. Et ce ballon jusqu'à l'autre aile. Le ballon passe d'une aile à l'autre. L'Espagne qui cherche à déclencher du mouvement. Sergio Ramos. Ils sont vraiment bien en place, comme vous dites. Encore une passe. Oh, c'est bien fait. La passe est précise. Le bon jaillissement. Il y a du monde dans la surface. C'est chaud sur ce corner. De la tête. Oh non, sa tête n'est pas cadrée. Ils obtiennent la touche. Mauvaise remise en jeu, c'est récupéré. Il sonne la charge. Un grand dégagement le plus loin possible. Ça sort, touche. Oh, il fallait l'oser ce tacle. José Fonte qui est sanctionné pour cette faute. José Fonte qui va échapper ce coup-là au carton, mais la prochaine fois, l'arbitre n'hésitera pas. Se prendre un carton alors qu'il reste autant de temps de jeu, ce serait vraiment dommage. Il déclenche son centre. C'est dégagé. Il a essayé d'y aller seul, mais sans réussite. Le bon ballon. Faut que ça va partir vite. C'est dégagé, très loin. Le Portugal qui compte maintenant 2 joueurs avertis. Il y en a qui disent que parfois une faute peut être un mal nécessaire, mais là, ce n'était franchement pas le cas. Ça ne passe pas. L'arbitre accorde un corner. Le coup de sifflet de l'arbitre avec les joueurs qui vont pouvoir regagner les vestiaires pendant cette pause. 15 minutes qui vont faire le plus grand bien. 3-0 à la pause. On vous laisse revoir tranquillement les ralentis, consulter les statistiques ou on va en profiter pour reprendre notre souffle. Oui, un but contre son camp, ça plombe toujours le moral. Mais ce n'est pas fini. Il faut continuer à s'accrocher.
Et le coup d'envoi de cette seconde période. Ils ont toute une mi-temps pour revenir, mais ça serait bien de ne pas trop traîner quand même. C'est joué long. Quel jaillissement! Isco. Bon service dans la profondeur. En voici Morata. L'ouverture lumineuse. Il cherche la profondeur. Danilo Pereira. Il va frapper. Allez jusqu'au bout. Oh, il y a danger. Ouais, il frappe encore. Quelle intervention! Bien joué, ces passes en profondeur sont toujours dangereuses. C'est joué dans l'espace. Il tire! La transversale! Encore! Quel but! Tout seul, face au gardien, l'issue était fatale. C'est clair, il n'a pas tremblé, il est allé au bout de son action. Bravo. Et s'il parvenait à revenir dans ce match? C'est joué long. Ça, c'est une interception parfaite. Thiago. Isco. Ils obtiennent le corner. Alors, comment vont-ils jouer ce corner? Quelle détente! Ah, c'est bien fait, mais ça ne passe pas. Eh bien, les gants, c'était chaud. Bien, la profondeur. Il y a peut-être un coup à jouer. La frappe! Le gros dégagement. L'ouverture était lumineuse. Dommage. Et pourtant, ils avaient bien trouvé la profondeur. Autour du gardien de jouer. Pep. Avec Danilo Pereira. Le ballon dans la profondeur. Il cherchait la profondeur, mais en face, défensivement, ça répond présent. Je crois qu'il s'est trahi avec le petit regard à son coéquipier, là, juste avant la passe.
Et c'est donc un changement. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. C'est un peu brouillon en ce moment. Le bon dribble. Pas d'hésitation de l'arbitre, ce sera un coup franc. L'Espagne qui compte maintenant deux joueurs avertis. Eh non, ça sera au-dessus. À cette distance, il a quand même très peu de chance de tromper les gardiens. Il vaut mieux mettre le ballon dans la surface. Le ballon dans la profondeur. Il est bien placé. Il a tenté, bien joué. Là, il peut centrer. Et ce ballon vers la surface. Pas de solution, demi-tour. L'interception, bien joué. Il ne se pose pas de questions. La passe dans la profondeur. Mais ce sera un corner. C'était chaud. Il a un peu de liberté. Et ce ballon vers ses attaquants. Bien, bonne intervention. Bien servi. Et c'est intercepté. Il était vraiment propre ce tacle. Il tente de la jouer dans l'espace. Et c'est une bonne course, mais au final, ça ne donnera rien. Long ballon dans le sens du jeu. Alcacer. Oh, c'est chaud. Cazorla. C'est Santi Cazorla qui centre. Voilà, un coup franc intéressant. Le Portugal qui a désormais trois joueurs avertis. Il a plusieurs possibilités sur ce coup franc. Ça pourrait leur permettre de revenir dans la partie. Tout en puissance, mais ça frôle le cadre. Raoul Albiol qui est récompensé de son pressing. C'est joué long, attention. Oh, bon tacle. Danilo Pereira qui récupère ce ballon. C'est joué dans la profondeur. Bruno Fernandes reçoit le ballon. Pour Mario Rui. Là, il a préféré jouer la sécurité. Ah, c'était pas mal, mais le ballon est perdu. S'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Oh, bonne lecture, intercepté. C'est dégagé, loin. Bruno Fernandes. Ça passera sur le côté. Il prolonge vers l'avant. Un peu d'oxygène pour sa défense.
C'est une faute, l'arbitre intervient. Il cherche la profondeur. C'est dégagé, loin devant. Ça joue long, vers l'avant. Il se rattrape bien. Jean Moutinho. Il a de l'espace, là. Ce ballon bien dosé. Non, il est signalé hors jeu. La faute. Cazorla. Dans la profondeur. Il allonge le jeu. Oh, le bon ballon. Il y a danger. Cazorla. Faute. Donc exclu. Alors là, soit il a surestimé ses talents, soit il n'a pas réfléchi. Une faute, ce n'est jamais anodin. Attention. Il est là pour dégager. Le ballon a franchi la ligne. Mario Rui. Ça va très vite sur le côté gauche. La longue passe, c'est joué long. Cristiano Ronaldo. Dans la profondeur. Allez, ça peut faire mal. Il y a peut-être un coup à jouer. À toute vitesse vers la surface. Ça ne passe pas. La tête. Il y aura 4 minutes de temps additionnel. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Voilà une bonne occasion de contre. Quelle occasion, attention. À côté. Qui a déjà marqué aujourd'hui. Il paraissait bien seul aussi. Dégagement. Cazorla. Jean Moutinho qui récupère ce ballon. En dribble, c'est bien fait. C'est terminé, l'arbitre siffle la fin de cette rencontre. Et c'est souvent la dure loi du football et du sport en général. Il faut savoir accepter la défaite, tourner la page et espérer après revenir plus fort, bien sûr. Bon, Darren, votre analyse sur cette rencontre? Ils ont été dominés de bout en bout. Le score reflète parfaitement d'ailleurs la physionomie de la rencontre. Il n'y avait vraiment pas photo aujourd'hui. C'était vraiment une belle soirée, Darren. Un beau match, on s'est régalé. On se retrouve très vite. À bientôt. Avec grand plaisir, Grégoire.
Bonsoir et bienvenue parmi nous. C'est une magnifique soirée vraiment pour jouer au foot. Des conditions de jeu parfaites. Un stade magnifique qui a de nouveau fait le plein. Et ce n'est pas une surprise quand on connaît l'amour qui lie les supporters à leur équipe. On a jeté un coup d'œil sur les abords du stade tout à l'heure. C'était noir de monde, des files d'attente interminables. Il y avait déjà une ambiance formidable avec des chants, des sourires. Une ambiance qu'on retrouve maintenant dans ces tribunes.
Bonsoir à tous, merci d'avoir choisi notre soirée de football plutôt qu'une série ou un film. On va tout faire pour essayer de vous donner raison. Les conditions de jeu sont bonnes, le ciel est dégagé, la lumière est belle, les tribunes sont pleines, la pelouse est dans un état presque parfait. Espérons maintenant que les joueurs vont être à la hauteur de leur réputation et pourront exprimer tout leur talent, car vu le nom aligné sur la feuille de match, on devrait, on va se régaler. Voilà un stade magnifique, plein comme un œuf, c'est parfait pour ce match. Et c'est parti! Ali! Un peu d'air pour la défense. Il a sans doute un peu trop temporisé. C'est dommage. Il avait des coéquipiers qui demandaient le ballon. Dombélé. Il va frapper! Il cherchait la profondeur, mais en face, défensivement, ça répond présent. Oui, il faut dire que ça manquait de précision aussi. La passe dans la profondeur. Bien joué, ils vont pouvoir repartir. C'est joué dans l'espace. Le gros dégagement. Maintenant, le centre. C'est dégagé. La bonne interception. La touche à venir. Moussa Sissoko. C'est une remise en jeu. Ça manque de précision, dommage. Ali. Son Heung-min. Voilà une bonne occasion du contre. C'est joué dans la profondeur. C'est bien fait. Peut-être une occasion pour Son Heung-min. Il tente de la jouer dans l'espace. Et le centre. C'était bien vu, dommage. Oh, pourquoi pas, très fort, très loin, ça soulage. Premier corner dans cette rencontre. Oh, quel geste! Alderweireld. Ali. Il écarte sur l'aile. Lo Celso! Attention là. Il choisit de centrer. Il peut frapper. C'est bien défendu, il fallait vraiment être solide. La frappe, attention! Le gardien ne pouvait rien faire. Oh oui, super tir. Le jeu reprend, ça fait 1-0. Ils ont le match en main, mais attention à bien rester concentré. Fabien Ruiz. Qui est le premier sur ce ballon? C'est une occasion, ça! Oh, c'est dedans!
Voilà une contre-attaque by the book, comme on dit. Une passe pas assez appuyée, il surgit, il va au bout. Magnifique. Et ça repart du rond central, égalité parfaite. Et oui, ils ont manqué de concentration sur ce coup-là. Ils pensaient encore à l'abus. Et maintenant, tout est à refaire. Ça sprint, côté gauche. Fabian Ruiz. Ça joue long. Il ne se pose pas de questions. Le Napoli qui récupère ce ballon. C'est quand même extraordinaire la manière de faire tourner le ballon, de conserver et faire courir l'adversaire. C'est sûr qu'il préfère avoir la possession que de laisser le ballon à l'adversaire, Darren. Oui, mais tous les joueurs y contribuent en se rendant disponibles. C'est un sacré boulot quand même. C'est joué long, attention. Oh, le bon ballon. Ouf, un peu d'air. Il va falloir être précis. Il est là pour dégager. Belle passe lobée. Il tente de se dégager. Meret. Beaucoup de tension dans cette zone. Il est passé. Il allonge le jeu. Sur la gauche. Il centre, attention. C'était intéressant cette action. Dommage qu'il n'ait pas pu aller au bout. C'est osé. Ali. La longue passe. La tentative. Je trouve que c'est surtout bien amené. La dernière passe lui a permis de se mettre dans les meilleures conditions pour frapper. Et c'est son deuxième but de cette rencontre. Et voilà, avec un petit but d'avance. Oh, il espérait ce ballon. S'il le trouve... Oh, très bon ballon. Bien servi. C'est joué long. Bonne interception, il y avait danger. Ça peut partir en contre. Le Napoli qui cherche l'ouverture, il cherche la profondeur. Pas mal ce tacle. Mauvaise remise en jeu, c'est récupéré. Il y a une faute. Il devrait faire attention, les cartons commencent à s'accumuler. Il change le jeu. Dégagé loin. Voici Son. Dans la profondeur. Oh, c'est chaud. Koulibaly qui cherche la profondeur. Dans la profondeur, bien vu. Ça passe dans l'axe. Le danger est repoussé. Le Napoli qui peut avancer. Allez. Zielinski. Bien, la profondeur. La passe dans la profondeur. C'est joué long. Bonne intervention, il y avait danger.
Le bon dribble. Oh, l'occasion! Et oui, but! Oh, ça va être un match serré jusqu'au bout. Ça démontre leur force de caractère. Ils ne baissent jamais les bras. Qu'il est fort pour sentir ces coups-là. Ah, il est très malin sur ce coup-là. Il profite des errements de la défense. Il est parfait. Et voilà qu'ils ont de nouveau égalisé. Les occasions sont rares dans ces matchs, mais il a réussi à profiter de celle-là. Oh, il y a danger. Il a le champ libre. Mertens. Et l'arrêt est magnifique. Incroyable comme il est allé la chercher. Ça semble se diriger tout droit au fond. Dombélé qui cherche des solutions. Son Heung-min. Il n'arrive pas à se rapprocher du but adverse. Oui, là il y avait clairement faute. Moussa Sissoko. La passe en retrait vers son défenseur. Le ballon dans la profondeur. Oui, ça pouvait être dangereux. Il fallait impérativement l'arrêter. Un ballon intéressant. C'est joué dans l'espace. Ce sera 6 mètres pour le gardien, je crois. Zielinski. Et il jaillit pour prendre ce ballon. Très loin. C'est la mi-temps dans ce match intéressant. Espérons que la seconde période sera tout aussi belle. Déjà 4 buts après 45 minutes. Le score à la pause, tout partout. Il donne le coup d'envoi de la seconde période. Voici Son. Le bon dribble. Quel dribbleur, quel artiste avec le ballon. Ça ne passera pas. C'est joué long. Ce contre peut très bien aller au bout. Lo Celso. Dombélé. Il cherche la profondeur.
Il y aura donc touche. Messieurs les défenseurs, vous êtes à la rue! Ils ont pris l'avantage, il faut continuer maintenant. Le bon ballon. Oui, bonne intervention de la défense. En la profondeur, bien vu. Va-t-il en profiter? Il est arrivé à se mettre en position, mais il n'a pas pu déclencher. Un long ballon vers l'avant. Fabien Ruiz. Il tente de la jouer dans l'espace. C'était bien essayé, mais il ne trouve pas de partenaire. Ballon intercepté. Ça soulage la défense. C'était difficile comme geste. Moussa Sissoko. Il choisit la profondeur. Bien, bonne intervention. Les duels s'enchaînent. Alan, qui a mis son pied en opposition. C'est joué long. Oh, le bon ballon. Une occasion. C'est joué dans la profondeur. Ça passe à droite. Koulibaly, dans la profondeur. Donc ça va partir vite. Ce match devient complètement fou. Et oui, ne lâche pas l'affaire, comme on dit. Chapeau. Ça, c'est du jeu collectif. Il passe de défense en attaque à 100 à l'heure. Et au bout, il y a but. Et c'est reparti. Les deux équipes sont de nouveau à égalité. Eh bien, on savait que ce match serait serré. Et ça se confirme. Il cherche son coéquipier. Un grand dégagement le plus loin possible. Il s'impose physiquement dans ce duel. Il veut montrer à tout le monde qu'il ne sert pas qu'à marquer des buts. Vas-y. Faute, oui, l'arbitre a sifflé. C'est repoussé par la défense. Grosse occasion. Ça joue long. Il tire. Ça s'est joué à rien. Ah là là, pas de bol. C'est dommage, mais il faut vraiment cadrer à tout prix ce genre de frappe. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon.
Son Heung-min dans la profondeur. Il est passé. Le ballon dans la profondeur. Bonne intervention. Ça n'a pas pu aller plus loin. Et le ballon a franchi la ligne. Bien, un peu de répit. La reprise. Il avait tout mis dans sa frappe. Mais pas de précision. C'était une bonne frappe, mais peut-être qu'il a le corps un petit peu en arrière. Il cherche la profondeur. Cette attaque n'a pas pu se développer. C'était dans la profondeur, ça n'arrivera pas. Il reçoit le ballon. Le drapeau s'est levé, hors jeu. Le gardien, c'est un 6 mètres. Bon jaillissement, il fallait intervenir. Il peut frapper. Pour le gardien d'aller la chercher là-bas. Sur ce genre de frappe, il n'y a qu'une chose à faire, applaudir. Bravo. Les voici avec un but d'avance. C'est joué long, attention. Il ne résiste pas au contact. Il joue la sécurité. Oh, la frappe! C'est le moment de centrer. Et ça passe toujours pas. Lamela. Il était bien présent. Là, ils cherchent à tuer le match, c'est normal. Ils veulent vraiment passer ces dernières minutes tranquilles. Dans la profondeur. Attention, là. Il rejoue derrière lui. La défense l'a très bien muselé, sans lui laisser d'espace pour se retourner. Voici Son. La défense est en sursis. Ils s'en sortent pas mal sur ce coup-là. Touche. Il allonge le jeu. Ils obtiennent la touche. Le ballon sort en touche. Manque de finition, tout ça. J'espère bien pour eux qu'ils ne vont pas le regretter. Le ballon sort en touche. Bien joué, ça. Le bon ballon. Ça ne passe pas. C'est bien donné. C'est dégagé loin. Il y a peut-être un coup à jouer.
Il y a danger. Faute. Pourquoi pas, très fort, très loin, ça soulage. Pas le temps de se lamenter, c'est déjà récupéré. Younes. Et ce ballon vers ses attaquants. Un grand dégagement le plus loin possible. Long ballon dans le sens du jeu. Une poignée de secondes seulement, la victoire leur tend les bras. Younes. Mauvaise intervention, faute là-dessus. Bien repoussé par le gardien. Il pensait avoir fait le plus dur, mais le gardien était bien présent. Il y aura donc touche. Passe. Younes reçoit le ballon. Un ballon dégagé très loin. Et c'est sans doute l'une des dernières actions du match. Il va falloir être solide. Et là, du bout du front. C'est dégagé très loin. Il est bien placé. Il cherche la profondeur. Lucas. Il a de l'espace. Et il cède sous la pression. Il y a danger. C'est bien fait ça. Il tente de la jouer dans l'espace. Ce sera une sortie au 6 mètres. Il allonge vers l'avant. Le bon dribble. Oh, c'est juste, juste. Alors, ce sera un coup franc à la limite de la surface. Le Napoli qui compte maintenant deux joueurs avertis. Ça, c'est du sacrifice. Ils étaient en très mauvaise posture. Il fallait intervenir. Malheureusement, c'est le genre de choses qui arrivent dans une telle situation. Il pourrait combiner dans la surface, il pourrait aussi, ce coup franc, le jouer directement. Meret, quelle parade! Magnifique parade, le danger est écarté. C'était pourtant bien tenté, mais le gardien fait un très bel arrêt. Coup de sifflet de l'arbitre, le match est fini. Oh, ça a été vraiment disputé jusqu'au bout et à l'arrivée, cette victoire par un petit but d'écart, que c'est beau. Alors, que retenir de cette rencontre? Ce n'est pas la victoire qui rend l'homme beau, c'est le combat, selon le dicton. Eh bien là, on a un combat et une victoire, alors qu'est-ce qui s'en canon? C'en est terminé, Darren, pour cette belle soirée de football. Merci de l'avoir vécu à nos côtés. Bonsoir. Grégoire, c'est moi qui vous remercie.